On va imaginer que je suis une jeune entreprise innovante liée à la recherche. Je viens vous rencontrer, de quoi je peux bénéficier finalement? Tout d'abord, on va vous apporter une écoute et une équipe de professionnels qui vont vous accompagner dans la découverte et de pouvoir faire sortir et mieux nous expliquer et exprimer votre projet. Et au-delà, on va continuer à vous accompagner pour bien cerner votre élément de différencier, pour se différencier et ce que vous apportez sur le territoire. Laurent, pendant cette saison, on a pu rencontrer de très beaux profils, de belles entreprises innovantes qui ont été, je sais, accompagnées par l'incubateur régional. Est-ce que certaines vous ont marqué plus que d'autres? Oui, alors sur les 83 projets accompagnés par l'incubateur régional, on a, si on voulait mettre en lumière deux entreprises, on a l'entreprise Torscal que vous avez mis en lumière également, vous, et c'est vraiment des beaux cadeaux qu'il faut qu'on leur fasse et qu'on les accompagne. Et c'est vrai que c'est une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel. Et puis une entreprise qui s'appelle Soleil Réunion et qui est aujourd'hui une belle réussite de valorisation des produits de La Réunion. On sait à présent que l'innovation à La Réunion est une vraie clé pour l'économie. Selon vous, Laurent, quel est le point fort finalement de notre territoire? Et La Réunion, elle a de forts potentiels, elle a de belles solidités. On est un territoire tout jeune encore, mais qui reste dynamique. On a des acteurs qui se multiplient depuis 2-3 ans. On a vraiment un environnement économique qui est pour la plus grande profitabilité, qui permet aujourd'hui de pouvoir, depuis La Réunion, voir beaucoup plus loin que La Réunion. Et ça, c'est une évidence. Merci Laurent d'avoir autant foi dans l'innovation et de continuer à porter de si belles entreprises réunionnaises. Nous, en tout cas, on se retrouve vendredi prochain. Ce sera sur Antenne Réunion pour votre nouvelle émission Regarde Ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous.